bakristu bana ba libota ya nzambe boboto bisika biso bino bozwami tozali bongo awa na cathédrale ya Versailles bisika misa po na bopemi ya molimo ya tata cardinal Kondo Laurent Mosengo Pasinia na kalate misa mabiso malingi kobanda bongo tozali awa po na kopesa bino bilili na bandeko baye bayete Bena baye bazali mosika. Tata cardinal atika kibiso mokolo ya lobingo loleki bongo nzoto ya yezali kokene na mboka ya bakoko bisika touta yango wana lelo basalile misa po na kopesa ye lokumu oyo esengeli na ye bozala na biso tozali wana po na kopesa bino misa yango pe totomeli bino banso boye bolamu na page Facebook na biso Aumônerie catholique congolaise de Paris. Boboto, bisika biso bino bovandi. Chers frères et sœurs, bientôt nous allons commencer la messe d'hommage à feu son éminence le cardinal Laurent Mosengo Pasinia qui nous a quittés il y a de cela quelques jours. Le corps sera rapatrié à Kinshasa et nous sommes là pour lui rendre ses derniers hommages. Bienvenue à vous sur notre page Facebook Aumônerie catholique congolaise de Paris et soyez bénis là où vous vous trouvez. À bientôt, merci. Et donc, tu as coupable, tu vois, ça va, ça va, ça va, ça va.
Messieurs,
la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous voilà réunis autour du cardinal Laurent Montagnon, notre son dans la plaine, mais la présidente. Au début de cette célébration, je voudrais accueillir en particulier Son Excellence Monseigneur Ringuin, archevêque émérite de Gandhi, en Centrafrique. Je voudrais accueillir aussi les ambassadeurs de différents pays, les représentants du monde politique qui sont venus aussi se joindre hier. Et bien sûr, je voudrais vous accueillir vous tous, frères et sœurs du Congo, vous aussi mes frères prêtres qui êtes là, venus de toute la France, même je sais de plus loin, d'autres pays. Nous sommes tous rassemblés pour confier au Seigneur au cours de cette célébration notre frère. Au Congo, dans quelques jours, les funérailles officielles auront lieu. Mais aujourd'hui, nous célébrons une messe de requiem. Nous le portons déjà dans la prière. Alors, entrons dans cette célébration. D'abord avec le signe qui rappelle notre espérance, le signe de la lumière.
Dieu qui a appelé ton serviteur, le cardinal, Laurent Rosengo, à la charge de l'épiscopat pour qu'il continue le sacerdoce de sa foi. Permet qu'il soit associé maintenant à leur bonheur éternel par Jésus-Christ, notre Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus. Et il nous placera près de lui avec nous. En tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce plus largement répandue dans un plus grand nombre fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur.
temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place. Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, après le décès du cardinal Laurent Moreno, le pape François, qu'il avait nommé parmi ses plus proches collaborateurs au sein du Conseil des cardinaux, soulignait dans son message de condoléance combien le cardinal fut un homme courageux, qui apporta une contribution significative à la vie politique et sociale de son pays et qui fut en même temps une grande figure écoutée et respectée de la vie ecclésiale dans son pays comme dans l'Église universelle. Ce soir, avec vous tous, en confiant à Dieu le cardinal Moreno, nous voulons rendre grâce pour ce grand apôtre de l'Église congolaise, pour son ministère comme successeur des apôtres en Afrique, pour ce pasteur attentif aux besoins des fidèles et de ses concitoyens. Avec vous tous, les fidèles congolais ici présents, nous unissons nos prières à l'Église qui est au Congo et en particulier aux prières de tous ceux et de toutes celles du diocèse de Kinshasa, dont il fut l'archevêque durant de longues années. Nous demandons au Père d'accueillir auprès de lui celui qui a cherché tout au long de sa vie à témoigner que l'Église est le chemin, la vérité et la vie. Oui, frères et sœurs, la vie et les engagements du cardinal Moreno nous rappellent que la foi au Christ ne peut demeurer de simples paroles. La foi au Christ se traduit toujours en actes, par la promotion de plus de justice et de paix dans le monde, par le courage de dénoncer ce qui défigure nos sociétés, quand on oublie que la politique est au service du bien commun et de la croissance de tous. La foi se traduit encore par la force d'aimer,
même son ennemi, et de proposer aux adversaires de se parler et de se pardonner. Ainsi, Monseigneur de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France, écrivait: le cardinal Monsengour s'est inlassablement engagé pour le dialogue et la réconciliation dans son pays. Homme de détermination et de courage, il a dénoncé sans concession les dérives et les compromissions politiques dont il était témoin. C'est dans la confiance en Dieu, dans la force de l'Esprit, que s'enracinent la vie et les paroles des prophètes d'hier comme d'aujourd'hui. À temps et à contre-temps, les prophètes rappellent ainsi ce que Dieu veut pour notre humanité, une humanité où chacun est respecté dans ses droits et sa dignité, une humanité où les plus petits trouvent leur place et sont pleinement reconnus, une humanité où le pouvoir des autorités politiques, sociales et économiques s'exerce comme un service pour tous et pour chacun. Oui, frères et sœurs, le cardinal Monsengour fut un des prophètes de ce temps par son engagement. Il fut un homme de justice, un homme engagé au service de plus de fraternité entre tous les citoyens, un homme de Dieu animé par une foi forte et une attitude sans compromis. Si nous avions à qualifier le cardinal, nous pourrions dire que son ministère et sa vie font de lui un homme de paix. Le cardinal Monsengour, dans son homélie pour la fête de Noël en 2017, disait: puisque fils dans le fils, prince de la paix, les chrétiens congolais aujourd'hui ont la lourde responsabilité devant Dieu et devant l'histoire d'assurer la paix partout où ils peuvent se retrouver, de dénoncer et de rejeter tout projet contraire à la réalisation de la volonté de Dieu, d'assurer la paix à tous. Et le cardinal d'ajouter: car ce qui nous engage à travailler pour la paix, ce n'est point une idée humaine, mais notre union au Verbe fait chair, qui nous fait communier à son projet de paix, de justice, d'amour. Comme le déclarent les Écritures saintes, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et le cardinal de conclure: travailler pour la paix manifeste et accomplit notre identité d'enfant de Dieu. Et quiconque ne sème pas la paix nie son identité d'enfant de Dieu. Homme de paix, homme de justice, homme de foi, le cardinal Monsengour a cherché à suivre le Christ tout au long de sa vie. Il a mis toute sa confiance, toute son espérance en celui qui a donné sa vie pour sauver le monde, en celui qui a vaincu le mal, en celui qui est ressuscité en triomphant de la mort. Alors, chers amis, pour nous tous qui sommes dans la tristesse, en particulier, je pense, à toute la famille du cardinal, ici et là-bas, il nous faut entendre les paroles du Christ que l'archevêque émérite de Kinshasa a dû souvent méditer et commenter. Ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en Dieu ? Croyez aussi en moi, dit Jésus. Dans la maison du Père,
beaucoup peuvent trouver leur demeure. Il nous faut aussi laisser résonner les paroles fortes que nous avons entendues dans la première lecture de l'apôtre Paul. Nous le savons. Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et il nous placera près de lui avec lui. Et Paul d'ajouter, Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Notre prière monte ce soir pour que dans cette demeure auprès du Christ, le cardinal Laurent Monsengo soit accueilli. Telle est notre espérance, telle est notre foi. Voilà, frères et sœurs, ce que nous célébrons dans cette cathédrale Saint-Louis en venant dire un dernier adieu au cardinal Monsengo, avant que le peuple de Dieu au Congo célèbre dans quelques jours ses funérailles. Avec vous tous ici présents, fidèles du Congo, les catholiques de France rendent grâce à Dieu pour cette grande figure d'Église et s'associent aux catholiques congolais pour demander à Dieu d'accueillir son fidèle serviteur auprès de lui. Amen. Unis par la foi et l'espérance, implorons Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus-Christ notre Seigneur, afin d'apporter le salut aux vivants et aux morts. L'accueille dans la clarté de sa présence et lui accorde le repos éternel promis au bon serviteur. Dieu notre Père, nous te prions. Que l'engagement du cardinal Monsengo pour le dialogue et la réconciliation continue de porter des fruits de paix et d'unité. Dieu notre Père, nous te prions.
Saint, l'Église universelle, ses fidèles et ses pasteurs, qu'elle témoigne du Christ mort par amour pour tous les hommes et défende inlassablement la dignité de toute personne humaine. Dieu notre Père, nous te prions. Exauce la prière de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pendant ce temps de faire voir des corbeilles circuler parmi vous pour accueillir vos offrandes, pour que soient célébrées aussi des messes à l'intention du cardinal Monseigneur.
compagnie des cieux, ils vivent en compagnie des saints, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Tu nous donnes de maître, tu diriges notre existence, et tu veux que dès cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils, et nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la présence pour la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta puissance en chantant. De même, la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il l'a béni, il l'a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette
fils de ton Église et daigne reconnaître celui de ton fils qui nous a rétablis dans ton amour. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, pour comme la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans un monde entier le salut et la paix, à faire de la foi et la charité de ton Église aux langues enchaînées sur la terre. Jésus, conservateur, le pape François, notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, particulièrement ceux de la RDC, éprouvés par la mort de l'un de leurs proches, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi aisément tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de celui qui, que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui, le cardinal Laurent Monseigneur. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts, de tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la moitié. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es. Nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Charité, échangeons-nous un signe de paix.
invitez au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur.
Ensemble, terminons notre prière. Dieu de miséricorde infinie, nous te prions pour ton serviteur, le cardinal Laurent Rosario. Tu as vu que le nom du Christ est conduit de l'Église de Kinshasa. Maintenant que cette Eucharistie l'a purifié, fais-le asseoir à la table du royaume avec le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons entendre maintenant nos hommages, la famille et puis aussi des prêtres de l'Église de Kinshasa pour le cardinal Lozano. Je dois commencer par remercier l'abbé président de l'association des prêtres de Kinshasa parce que nous devions prendre la parole tour à tour, mais il s'est fait malheureusement qu'un seul devait prendre la parole et il m'a demandé de le faire et lui, il est là, l'abbé Jean-Baptiste Congo, merci. Au 11 juillet effroyable, au 11 juillet désastreux, a retenti tout à coup comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle. Le grand homme se meurt, l'homme emblématique est mort. Éminence, je viens vous laisser entendre pour une dernière fois ma voix. À travers elle, veuillez retrouver celle de tous les prêtres d'Inongo et filles, fils et filles du Maïndombe dans la diaspora et aussi tous les prêtres de Kisangani et de Kinshasa et ceux du Congo entier. Mantua Meche Nourit, Kalabime Rakouere, Partenope Tenet, Chechini Pasqua Rura Duchess. Cette citation de Virgile, vous l'avez tant aimé et appliqué à votre personne du point de vue de votre parcours, paraphrasant ce grand auteur de latin, à savoir Inongo m'a engendré, Kisangani m'a emporté, Kinshasa me retient. Voilà une citation qui résume votre parcours et orientera notre propos en ce jour de profonde douleur. En effet, Excellences, chers confrères, chers frères et sœurs, né le 7 novembre 1939 à Mongodélé au diocèse d'Inongo dans le Grand Bandundu actuellement, province de Maïndombe, ce surdoué que nous pleurons aujourd'hui après ses études primaires à Nyoki, avant d'être admis au petit séminaire de Bokoro, candidature sélectionnée à Bokoro par un autre illustre de notre histoire qui alors s'en occupait, l'abbé Joseph Malouda. Alors en stage final à Bokoro avec son compagnon Eugène Bouquet, attendant leur ordination. C'était l'époque du vicariat Léopold Ville. Il partit ensuite au philosophat à Cabo. Enfin, il gagna Rome pour le cycle de théologie. Le cardinal Grégoire Pierre Agajanian, alors préfet de la propagande affidée, lui ordonnera prêtre le 21 décembre 1963 pour le compte du diocèse de Lyon. C'est alors qu'il réalisera ses brillantes études d'écriture sainte aux instituts bibliques de Rome et de Jérusalem. Il en sortira premier diplômé africain sur le thème de la notion de nomos dans le Pentateuque grec. Un grand exégète désormais donc. Ce sujet de thèse ne prélude-t-il pas ce que sera l'homme tout au long de sa vie?
À son retour au pays, il a été professeur aux facultés catholiques de Kinshasa, aujourd'hui Université catholique du Congo, ainsi que dans plusieurs séminaires, dont Jean 23 à Kinshasa. De 1976 à 1980, il assure la permanence de la conférence des évêques du Zaïre comme secrétaire général. Après s'être occupé comme secrétaire général adjoint des relations Église-État. Dans un harmonieux accord qui unissait Monseigneur Fataki, alors évêque de Kisangani, et Monseigneur Lesambo, alors évêque d'Inongo, il s'est vu nommé évêque auxiliaire d'Inongo le 13 février 1980 pour un an et ordonné évêque le 4 mai 1980 à Kinshasa par le pape Jean-Paul II. Cet honnête homme a plus d'une fois déclaré, tant en public qu'en privé, qu'il avait trouvé en Monseigneur Lesambo un excellent collaborateur dans sa vie, qui lui avait laissé la main libre en toutes ses initiatives. Une de ses initiatives concernait le domaine de l'enseignement dans la séparation de la catéchèse scolaire et la catéchèse extrascolaire. Cela est resté d'application à Inongo après son départ. Et cela profitera d'ailleurs ensuite à toute la République quand il sera président de la conférence épiscopale. Transféré en effet à Kisangani le 7 mai 1981 comme évêque auxiliaire, il sera président de la conférence épiscopale de 1984 à 1992. En 1987, il est élu membre du secrétaire général du synode des évêques, tout comme en 1990 et en 2001. En ce temps, il confiera à un aîné du diocèse du Nongo, quand il était président de la conférence épiscopale, quand j'entre dans la salle pour présider et que je vois Monseigneur Lesambo dans la salle, je suis rassuré. Sa promotion comme archevêque de Kisangani était intervenue le 1er septembre 1993. On connaît dès lors la confirmation sur le plan national de ses remarquables qualités mises à profit pour le processus de démocratisation dans notre pays. La conférence nationale souveraine l'a bien mis au zénith. C'est à l'occasion du vote pour présider ces assises que les grands séminaristes d'Inongo l'avions très affectueusement surnommé Bobobo, surnom adopté aujourd'hui dans tout le clergé d'Inongo jusqu'à ce jour. Le temps ne nous permet pas de relater ici tout ce qu'il a été au Cheam, à la Pax Christi et que savons-nous encore, ainsi que tout ce qu'il a fait, ainsi que le 6 décembre 2007, où c'est le 6 décembre 2007 que Benoît XVI le transfère à Kinshasa et le créera cardinal au consistoire du 20 novembre 2010. Un des électeurs au conclave qui dit ça au Saint-Siège, au siège de Saint-Pierre, le pape François, il a été pris pour l'Afrique parmi les 8 cardinaux chargés pour aider le pape François à la révision de la grille romaine et de sa loi particulière, Pastor Bonus. Aujourd'hui, il s'en va, laissant à la République entière une phrase qui restera toujours célèbre. Cette phrase qui devra orienter la vie aussi bien de la nation que de l'Église et de la société entière, à savoir que les médiocres dégagent. Inongo l'aura engendré
Kangan l'a emporté et Kinshasa l'a retenu. Kinshasa qui l'a retenu et Kisangan qui l'avait emporté aurait pu nous dire aujourd'hui ce qu'il a été jusqu'à l'acceptation de sa démission le 1er novembre 2018 par le pape François, âgé alors de 79 ans. Le vénérant comme grande figure de l'Église du Congo et de l'Église universelle, le Saint-Père le résume bien dans son message de condoléance au cardinal Ambongo, à savoir homme de science, homme spirituel et pasteur entièrement dévoué au service de l'Église et de la nation, homme épris de justice, de paix et d'unité, toujours soucieux du dialogue et du bien-être de son peuple, homme tenace dans le bien. Il y encourageait tout le monde. Moi-même, il m'a exhorté à Montréal en me tendant la main dans une foule où on se cognait les coudes à Kayunchana, c'est-à-dire en Kisakata, adopte toujours ténacité, résilience, détermination. Au sein de la RDC et de l'Église universelle, unie avec la famille ici représentée par le sénateur François Kanuki, notre très cher frère Dieudonné Itoumé et les autres, Touma Indombe et Amdolori, toute la République aussi, toute l'Église Andolori, clame et le Maïndombe dit aujourd'hui dans tous les réseaux sociaux et publie partout, notre fierté est partie, le gigantesque Baobab est tombé. Ce que l'on dit, on dit en Kisakata que nous vivons aujourd'hui un véritable Kevalu, c'est-à-dire la tombée du ciel. Kisakata étant la première langue qu'il cite toujours parmi les nombreuses langues qu'il a parlées dans sa vie, jusque même à parler le dialecte de Jésus, l'araméen. Le jour d'aujourd'hui est aussi pour nous celui de célébrer son entrée auprès de celui qui l'a tant servi dans sa vie. Éminence, cite Tibi, Terra, Lévis. Merci. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.